Yon l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec équipe TV Caraïbes depuis Mombado Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Jodi a nous parler électricité courant 24 sur 24, courant 24 sur 7. C'est ça, dans la campagne président de la République, là, Jovenel Moïse, dit a mentionné pendant tout le temps campagne liya. Mais avant de faire ça, équipe TV Caraïbes, vle remercier tout le monde qui toujours branche TV Caraïbes pour information pays. Et un gros remerciement avec ça, ou toujours quitte un commentaire pour nous. Positif ou bien négatif. Ici, dans Mombado Police, équipe TV Caraïbes, nous apprécions ça. Eh bien, nous ne perdons pas de temps, nous déroulons avec information. Yo, en nous, Evanson Kalex, qui est directeur général Autorité nationale de régulation du secteur énergie, là, ANES, présente un plan qui peut permettre plusieurs communes dans le département Noa bénéficier courant dans le jour qui vient là. Pour permettre l'objectif, ça aboutit, l'autorité a bien pour construire un réseau électrique dans la ville au Cap. Nan ville Cap-Haïtien, nan ville Moun Kenakem yo. Eh bien, nous ne pouvons pas perdre temps là. Nous allons inviter à suivre. Ça qui va passer dans le jour qui va venir là, pour capable électrifier, pour capable bailler électricité dans plusieurs communes ici en Haïti. Eh bien, nous ne pouvons pas perdre temps. Nous allons commencer tout le idée pour renforcer centrale EDH dans la commune Tigoua à Kokay. Diverses mesures déjà prises pour permettre moteur Sayo commencer à servir la population. 4 moteurs qui sont dans la centrale Tigouavio a bien pour distribuer 4 MW courant à travers les communes Tigouave, Miragouane, Fondeneg et Piakin. 4 autres moteurs qui sont dans la centrale Okaïla a bien pour distribuer plus de 5 MW courant dans 10 communes Camperin, Maniche, Chantal, Tobek, Séjean du Sud, Anike, Port-Salut, Okaï, Cavaillon et Saint-Louis du Sud. Groupe était en panne et t'as une révision que t'as fait sur le porte coffette au Banzamdo, c'est ça qui explique que c'est ça seulement 1.5 MW que nous avons là. Mais je vous dis, il y a des possibilités, le, tous les 4 groupes sont finis installés pour nous gagner un total de 4 MW. Haïtien Milo, Pomago, Lembe, Akin Dino, Plen Dino, Ak Grand Rivière Dino, c'est commune ça dans le département de pays qui peut alimenter sur un réseau qui a bien pour construire dans le Cap Haïtien dans le jour qui vient. Directeur général, Autorité nationale régulation secteur énergie, ingénieur Evanson Kalex, présenté pendant le week-end passé. Je vais présenter département pour le département pour comprendre qui programme d'électrification que nous avons pour le département. Et là, je prends toute commune une après l'autre pour expliquer. Mais ça qu'on a fait et nous capables si nous résumer rapidement ça nous expliquer mon là c'est que et nous avons cherché un opérateur privé pour construire une centrale de 40 MW dans le nord et 16 MW solaire parce qu'on nous dit que nous pouvons combiner solaire là avec gaz naturel pour nous capables produire courant pour mon nord et opérateur ça va bien pour le produit et étendre réseau construire des lignes de distribution et collecter comme tout. On a rappelé tout le monde que courant sont pas équipés donc et nous comptons sur toute population pour commencer et habituer à payer courant. Il y a un appel d'offres qui est déjà lancé d'après le directeur général Anasia qui dit qu'il y a un peu de opérateur qui va réaliser le projet ça dans le département nord pays. L'appel d'offres a lancé. Nous avons jusqu'à 29 janvier pour nous garder combien d'opérateurs qui prennent intérêt à la région d'Est pour nous rassurer nous que l'année prochaine, si possible, nous commençons avec la construction centrale là pour permettre à Ville au Cap de venir courir 24/24. L'autre commune, tant que Katimoué et Limonade, a alimenté sous courant Caracol. Pour commune tant que Dandon, Saint-Raphaël, c'est un petit réseau construit pour permettre aux zones de bénéficier courant. Katimoué avec Limonade. Capsule réseau Caracol là et Baron et Plaisance et Boy et Pilate yo même yo c'est 4 micro réseau bralier ou gagne Saint-Raphaël déjà ou gagne Rankit ou gagne toutes deux zones ça au alimenter qui gagne toutes zones ça Pion qui alimenté déjà par Pelig et tout reste commune ça c'est reste commune qui va l'alimenter par les grands réseaux que n'a pas l'air par l'alimenter 8 communes qui cap gain 40 MW là-dedans et gaz naturel et 16 MW solaire. Directeur général Autorité nationale régulation secteur énergie ingénieur Evanson Kalex dit yo déterminé pour faire réforme dans secteur énergie tourner réalité.
merci tout le monde. Nous parlons, c'est Evenson Calix. Moi, c'est premier directeur général de l'autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie, organisme créé il y a jusqu'à 2 ans pour aider à faire réforme dans le secteur, le développement du secteur énergie en général. Et il faut plus que je vous on va plus parler de le secteur électricité à faire dedans et le secteur énergie. Nous remercions tout le monde qui va déplacer aujourd'hui, qui vient d'aider les présentations. Présentation en focus plus général de l'électrification du pays, hein, mais focus à sous-département, département nord. Là. Donc pour la présentation, nous avons plusieurs points de regarder ensemble. Ma fait une mise en contexte, d'abord une vue globale, générale. On a parlé de éléments de réforme dans le secteur énergie. On a parlé de plan d'électrification du pays. Hein. Et j'aime des états là, on a focus surtout sur le département nord là. Et m'a parlé de actions qui sont déjà réalisées pour exécuter le plan et actions à réaliser. Maintenant, élément mis en protection, on connaît que la population de la Caraïbe là, nous environ 44 millions d'habitants. Dans 44 millions d'habitants, il y a 11 millions qui vivent en Haïti, qui sont dans Haïti. Maintenant, regarde la statistique du nombre d'habitants qui va bien courant dans la Caraïbe. Tout le monde a un problème d'accès à courant, c'est un problème mondial. Il y a plusieurs parties de la population mondiale qui n'ont pas accès à courant. Nous mettons focus sur la Caraïbe. La Caraïbe a 9 millions qui n'ont pas bien courant. Et les gens cherchent à qui peut 9 millions nous arriver, nous gardons 7 millions de monde en Haïti. Donc, et nous voyons que si nous parlons du problème d'électrification haïtien, nous avons toujours une fardeau pour qu'il soit capable de dire que nous arrivons au problème d'électricité, puisqu'en fait nous-mêmes, nous avons un gros fardeau en termes d'accès à l'électricité. Maintenant, et nous regardons tout, ça veut dire le taux d'électrification, combien de pourcentage de nos pays qui gagnent courant. Et nous regardons les chiffres, ça, je pense que c'est alarmant. Les chiffres montrent que sur 100 haïtiens, il y a seulement 30% qui ont accès au courant. Donc, on a parlé de la valeur moyenne de la pays. Et tout le monde qui dit qu'il y a courant, on va parler de millions pour 24/24. On a parlé de millions pour le droit générateur qui est pendant l'année. Peut-être le président a venu, le député ou le sénateur a visité les communes. Mais il y a fait champêtre, il y a fait Noël. Donc, on met tout le pourcentage à 30%. Donc, on a 70% de la pays à parler de courant. Et ça, c'est un qui m'ont réalité à côté où être noir, c'est côté pas bien courant. Côté bien couleur, c'est côté qui demande courant. Et parfois 6 heures par jour, 12 heures par jour, 2 heures par jour, et parfois tout quelques heures pendant 2 mois. Donc tout pour nous, 4 ça a montré que ça, 4 ça a montré que l'important pour nous-mêmes haïtiens, de tête nous ensemble, pour nous capables d'adresser les problèmes et courants dans le pays, parce que nous sommes 4 qui montrent que le pays a complètement dans le noir. Ça est intéressant, c'est extrêmement dans le droit, mais nous gagnons quand même et quelques centrales qui ont fonctionné un peu partout dans le pays. Hein. Donc là, nous prenons une zone métropolitaine de Port-au-Prince, nous prenons qui est alimentée par 4 grandes centrales, centrale e-power, centrale Vareux, la centrale du Carrefour et la centrale Pélic. Donc on est Pélic, c'est seule centrale. Dans toute cette centrale qui fonctionne à partir de l'eau, ça veut dire que la centrale hydraulique, l'autre qui fonctionne à partir de en fait, carburant et fuel, que ce soit diesel ou bien mazout. Donc on va mettre tout ensemble, et bon, quel nombre en termes de 249 MW et qui est disponible et pour production automobile. Mais en fait, l'on regarde et combien qui est disponible. Et ça c'est puissance s'installer, mais combien est disponible en termes de capacité de disponible pour alimenter les régions métropolitaines de Port-au-Prince, il y a seulement 75 MW. Donc pour le sommet du grave, il y a une ville comme Port-au-Prince, il y a une région comme Port-au-Prince, quand on demande qui plus que 400 MW, et pour ne pas parler pas avoir la maternité, pour que je me dise que nous produisons seulement 75 MW sur Port-au-Prince. Donc nous avons une situation, c'est une situation extrêmement grave. Si nous prenons pour la CAENO, qui est la centrale principale d'alimentation, la centrale PBM qui est au Cap-là. PBM qui est au Cap-là, et dernière information que nous avons, nous avons une production qui varie entre 6, entre 4 et 6 MW. Pendant que demain au Cap, pour qu'on y aille, il va y avoir plus de 40 MW.
Donc finalement, tout pour nous que même si on a deux grandes villes dans le pays, on n'a pas assez de production suffisante pour alimenter. Nous sommes intéressés pour ces comparaisons pour nous garder qui sa production dans la région Port-au-Prince et qui sa production pour toute vie conversion. La première situation est plus grave toujours. Il y a 240 MW qui est installé pour alimenter les régions métropolitaines de Brest. Maintenant, on prend toutes les professions nettes, mettez ensemble, il y a 80 MW. Donc, tout le monde est en train de comprendre, ce clair. Il y a 249 professions métropolitaines. Avec nous, il y a 10 personnes qui sont installées. Elle dit, on ne peut pas marcher, on ne peut pas mettre en maintenance. Donc, on a une profession 80 MW. Donc, déjà, tout le monde est en train de voir un cas terrible entre les régions de Brest et tout le reste du pays. Malgré tout le bagage, ça, le pays est un pays qui est riche en matière de potentiel pour l'énergie renouvelable. Pour l'énergie renouvelable, on a parlé d'exemple, on a parlé de valorisation de déchets, on a parlé de biomasse, on a parlé d'énergie éolienne, nous avons avec vent, on a parlé d'énergie solaire, que ce soit l'énergie qui doit connecter sur le réseau, que ce soit l'énergie qui doit faire marcher sans pas se connecter sur le réseau, et on a parlé de... En bleu, c'est potentiel qu'on exploite déjà. En orange, c'est potentiel que nous pouvons exploiter. Donc ça montre que le pays est extrêmement vierge en matière d'exploitation des énergies renouvelables. Donc plus fort potentiel le pays pour exploiter. Nous voyons tout le monde à cause des pays qui là, il voit un tigre en bleu pour exploiter un petit gaz de l'eau. Nous connaissons tout récemment, la pays fort fait dans le soleil, soleil. Nous pouvons exploiter vent du tout, des expériences qui viennent dans le pays qui viennent camper après pour raison de maintenance pour plusieurs raisons. Et dans le domaine presque et biomasse, valorisation de déchets, nous pouvons la dans du tout. Donc il y a quelques expériences, mais c'est expérience pilote. Donc, bonne nouvelle là, c'est que nous n'avons pas de courant dans le pays. Nous complémentons maintenant qui estime à peu près 700 et 800 MW. Ce qui est intéressant, c'est que donc, tout le potentiel pays a gagné, ou il y a plus que 800 MW en énergie propre. Qu'il a. Donc ça sont à tous les gagnants pour nous capables de transformer le pays. Et bien ça nous dit gros tout le défi ça là, et bien on regarde pour nous si nous transformer le défi ça en opportunité. On parle comme problème, on garde de référence comme étant une opportunité. Opportunité pour nous exploiter les ressources pour nous produire courant, pour nous capables de créer richesse. Donc nous dit que pour nous capables mais des visages d'opportunités, il faut réformer le secteur. Et donc, on est président de la République qui a lancé un vaste programme de réforme pour le secteur électricité en particulier. Qui est-ce qui est dans l'élément de réforme? Sur qui est-ce que la réforme est basée? La réforme est basée sur un cadre juridique, loi qui dépend. Tout le monde est au courant de la pays, il y a un décret qui est publié en 2016. Et le décret, ça en date de gagner des points extrêmement importants. Pour les magasins, ça peut mettre nous faire. Sont des décrets qui redéfinit le secteur énergie. Le secteur énergie, tout le monde l'entend, pas de concurrence à l'année, ou de EDH, qui a gagné, qui s'est fait ça, ou les compagnies publiques PIA, qui a gagné monopole sous transport, distribution, en dans votre reste par exemple. Évidemment, tu as une brèche qui a créé pour te faire une production privée, mais toute production privée, ça, on est supposé vendre courant à EDH. Et si je produis pour votre reste, je ne vais pas vendre directement. Il faut vendre EDH qui est acheteur unique, EDH même devra le vendre notre monde. Et bien, loi ça, tu as créé la gaille ça. Loi ça dit que, loi ça permet pour nous une concurrence, ok, en dedans et concurrence et participation privée. Ça veut dire que ça, pour nous dans le bonheur, il doit décider la participation de la bourse d'appel d'offres, côté du produit courant, quand on prend, c'est qu'il vendre directement par client en passant par les EDH. Donc, pas de possible, on a une loi qui permet de possible. Deuxième aspect de la loi créée. Il y a un organisme de régulation qui aurait annoncé que nous sommes le premier directeur général et son organe qui va réguler le secteur. Parce que automatiquement, on dit compétition, ou son organe de contrôle qui pourrait assurer que la compétition est faite de façon saine. Et puis, comme EDH, pour ne pas avoir un monopole encore sous production, sous distribution, sous transport et commercialisation, et bien, loi recréer EDH. Donc, décret ça, qu'on chaîne. Les outils ça, les gaz ça, pour permettre nous d'avancer avec régulation, avec les transformations secteurs. Maintenant, Gabi Mouni va annoncer, je vais profiter et saisir l'occasion pour me présenter à l'ancien Baboun maintenant. Annoncer mission écrite, la chambre écrite, c'est-à-dire que le texte de loi dit que annoncer les commissions.
pour assurer promotion et développement secteur. C'est dans ce sens-là, je dis à là, la maman nous arrivons au niveau de développement dans le secteur, parce que c'est important pour nous dire que nous sommes dans le développement. La promotion et développement secteur, comment on a fait? Par la régulation des activités de production, production, exploitation, transport, distribution, commercialisation, et ceci, surtout dans le jeudi. Donc ça me paraît important parce que ça peut être pour expliquer nous mieux et secteur énergie. Secteur, en fait, l'autre électricité en général, l'électricité à vos côtés pour produire. Donc c'est ça, nous avons généralement des centrales électriques. Malheureusement, nous avons produit courant, consommation pas nécessairement, même côté production. Maintenant, par exemple, Port-au-Prince, nous avons potentiel qui est dans la zone Péli, dans le département du centre, mais nous avons un grand dans la zone métropolitaine qui est dans la zone et des distances qui séparaient de 54 km qui séparaient pour Port-au-Prince de Péli. Donc, l'offre une produit du courant dans la centrale là, vous êtes obligé de faire une ligne de transport pour transporter le courant pour mener le bail côté consommation. Et ça fait des mots d'énergie électrique, il faut avoir trois bagailles, il faut avoir production, il faut avoir transport, il faut avoir distribution. Même distribution, on va parler de commercialiser le produit. Donc, ce qui fait que dans la chaîne de valeur de réseau électrique, vous allez avoir trois éléments. Vous allez avoir la production, on produit l'énergie électrique, maintenant il faut transporter l'énergie, on va du transport et ensuite on va vers la distribution de l'électricité. Et nous voyons qu'il y a lancé gain, en fait, mandat selon la loi pour les développer le secteur en régulant ses activités. Ensuite, nous avons la loi qui dit qu'on a séparé de l'exploration, développement et régulation de toutes les formes d'énergie. Donc, on a séparé un régulateur uniquement l'électricité, mais c'est le secteur énergie en général, c'est-à-dire produits pétroliers, que ce soit énergie, biomasse, les bois énergie, donc on a séparé une responsabilité pour les capables de réguler tout le secteur. Et loi claire, loi de l'électricité, combustible fossile, hydro, nucléaire, géothermique, loi même dit que toute forme d'énergie dans le futur qui va apparaître. Maintenant, vous avez laissé, nous avons expliqué tout à l'heure, l'important, nous-mêmes haïtiens, par rapport à pas à gros défi, ça peut venir, qui c'est défi de courant, qui c'est défi de courant, qui a parlé de courant, nous ne pas garder au niveau du gouvernement comme étant un problème, nous garder comme étant une opportunité pour nous exploiter l'opportunité, pour nous garder comment nous transformer le défi ça en opportunité en utilisant effectivement le potentiel de PAG, qui c'est le potentiel d'énergie renouvelable. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous dit que nous développons une stratégie qui a trois axes là-dedans. Premier axe là, nous dit que gros tout le réseau qui est dans la zone métropolitaine qui s'est pas offert, eh bien nous allons renforcer le réseau ça. Nous allons renforcer, nous allons étendre, nous allons développer plus. Qui sera fait? L'entrée à l'action centrale de 300 MW qui a fonctionné au gaz naturel liquéfié. Là, rassurez que nous exploitons le soleil que nous gagnons. En construisant des centrales solaires, qui ont raccordé avec les autres, tout le monde connaît vos technologies pour nous, ou les technologies de stockage. Pendant ce solaire là, on va stocker l'énergie dans des batteries, ou bien on a ce que dans fly wheel, voilà d'inertie, et puis automatiquement, les batteries soleil, les gens qui stocké, on va réutiliser là. Ok? Donc ça veut dire que dans ce sens là, le solaire là est capable d'une énergie qui est extrêmement importante pour développer, parce que l'hôtel est difficile. Solaire est uniquement la journée, ou pas de technologie qui est extrêmement intelligente qui devait tout stocker sur solaire. Énergie pour la solaire. Pour nous, il y a plusieurs batteries extrêmement intéressantes. Vous avez des batteries Tesla, il y a plusieurs technologies extrêmement intéressantes. Il y a flywheel, volant d'inertie, il y a plusieurs façons pour nous stocker l'énergie pour nous. Et bien la journée, l'idée c'est que l'énergie solaire a produit la quantité que nous stockons de nos côtés, et bien le soir, pour nous assurer que nous sommes capables d'injecter sur le réseau. Et là, et ça va parler de centrales solaires qui ont raccordé le réseau, que nous capacités de stocker là-dedans. Et puis, ça qui est intéressant, c'est que maintenant, tu peux aussi t'assurer d'une certaine participation du secteur privé au niveau de la distribution. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, malheureusement, on a un pays à partir de Port-au-Prince, parce que nous avons 249 MW qui est localisé dans Port-au-Prince. Nous disons que l'infinité de Port-au-Prince, il y a là pour marcher vers les villes de province. Et ça fait nous parler de deuxième axe programme qui c'est modernisation des réseaux régionaux. Il n'y a pas les réseaux régionaux, tout le monde a parlé de réseaux qui sont capaïtiens, réseaux qui sont dans le nord-est, réseaux qui sont dans la Tibonite, réseaux qui sont dans le centre. Donc ce sont des réseaux régionaux parce que taille est important, passer en ville. Donc ce sont réseaux qui regroupent plusieurs communes là-dedans. Okay? C'est réseaux régionaux. Nous voyons que nous allons dans l'étendue, nous voyons qu'on mixe les petits gars de pays, nous comprenons ça.
Nous faisons choix de pays pour nous développer un mix énergétique pour nous démarrer qu'après deux éléments là-dedans. Gaz, base d'accord, gaz naturel, pays a fait choix pour ne pas utiliser mazout avec diesel encore pour produire courant. Pays a fait choix pendant 4 prochaines années pour nous combiner soleil là avec production thermique. Mais production thermique ça, il la fait avec gaz naturel. Nous connaissons pile le monde dans le pays hein, qui a posé la question pourquoi le gaz naturel. Tout le monde connaît une question simple, c'est une question d'économie. Ça passe en réalité, pendant 10 dernières années, tout le monde connaît nous très aux États-Unis. Les États-Unis viennent développer en abondance gaz naturel, qui vient faire prix gaz naturel là, vient baisser sur le marché international là, en particulier aux États-Unis. Parce que dernière visite nous avons fait notamment mission aux États-Unis récemment, nous voyons que il y a plusieurs développements extraordinaires à faire qui fait que le prix gaz a baissé à un niveau qui est extrêmement intéressant pour Caraïbes là. Et si nous regardons, si nous voyons l'État Floride bien, on voit l'État Floride comme ça poursuit un pile terminal gazier côté que il est capable d'exporter gaz là. Donc ce qui fait que par rapport à proximité nous-mêmes par rapport avec les États-Unis, nous avons une opportunité de saisir pour faire venir gaz naturel. Là, il y a plusieurs technologies. Longtemps, on ne peut pas transporter gaz naturel. Parce que nous avons un gaz. Nous avons une technologie qui va liquéfier gaz là. C'est-à-dire que le gaz est liquide. Et puis nous transportons. Les rivières côté de l'usine là, nous faisons tourner gaz encore. Donc, avancement technologique en Gounia, il fait que le possible pour transporter gaz naturel sous distance qui est extrêmement courte, et bien, après la fin de baisse et tout, il fait que les gens intéressant. Donc, pays a fait choix gaz naturel pour deux raisons. Parce que nous-mêmes, nous avons une logique de baisser le coût de production. Par exemple, longtemps, l'offre centrale de 300 MW, on avait un coût de production, par exemple, qui dépassait, on dit, qui nous donne 12, 13, 14 centimes. Maintenant, soit fonds central 300 MW de gaz naturel ou cal en bas 10 centimes. Donc tout le monde comprend ça, veut dire qu'un kilowattheure qui coûte monsieur 4 centimes, et par année, le pays a produit des millions de kilowattheures. Donc tout le monde fait calcul là, des millions de kilowattheures multiplié par 4 centimes, il y a un volume propre que le pays a absent chaque année. Et l'indice pays a absent, ou même tout consommateur, une fois que le coût de production est bon marché, automatiquement le bon marché pour tout. Et l'autre raison, tout le monde dit que le gaz naturel là, bon, parce que comme on est en logique, on est maintenant, réchauffement climatique, tout le monde a vu dans son environnement, ou une responsabilité d'être citoyen pour protéger l'environnement. Effectivement, le gaz naturel là permet de gagner moins de CO2 qui roule dans l'atmosphère, donc vous gagnez en fait en réalité et les gros impacts assez intéressants par rapport sur l'environnement, par rapport à l'autre, par rapport au type de gaz de dégâts qui est des fuels. Donc mélange solaire et gaz là sont extrêmement intelligents parce que solaire à la journée il existe, produit en quantité à partir de solaire, moins gaz là toujours là lui-même, donc le mélange entre les deux, il y a une bonne technologie, il y a une bonne coût de production assez intéressant. Et toujours on a cherché votre situation privée pour mettre en place les réseaux régionaux. Troisième axe dans le programme, tout le monde l'a comme ça. Même si je fais gros réseau, qui c'est gros Port-au-Prince, je fais réseau régional, par exemple au Cap, eh bien, les mouilles vont côté par exemple quand vous donnez, moi je vais donner, pas alimenté par réseau capaïtien. Donc là, nous dit que, eh bien, troisième axe du programme, nous, c'est mettre en place des solutions hors réseau. Des solutions qui ne sont pas nécessairement connectées sur réseau. Et nous avons deux types de solutions sur réseau que nous allons développer aujourd'hui. Ce sont des micro-réseaux. Exemple micro-réseau, nous avons fait là, par exemple, dans notre réseau distribution fini. Nous avons travaillé sur question centrale là. Et l'offre de micro-réseau, ça, la section communale, nous avons tellement éparpillé sur le monde, pour ne pas vous dire que les réseaux arrivent sur le monde. Donc, qui sont fait en réalité, ou va alimenter les gens de façon individuelle. Parce que chaque monde pour alimentation la carte dans le système solaire. Encore une fois, ce sera l'utilisation du système solaire. Donc, nous déjà dans son programme, tout partout dans le pays, nous expérimentons avec 10 000 familles, que nous avons le programme Kaipam Cléry, qui est le programme en réalité système solaire individuel. Maintenant, dans le développement, point par point, chaque point, chaque axe, réseau régional, nous disons déjà, tout le monde a été là, gagner plusieurs. Il y a plusieurs embryons de réseaux régionaux qui existent partout dans le pays. Donc, nous avons un réseau régional, par exemple, CAI, nous avons un réseau de Miraquan, nous avons un Nord-Est, nous avons un réseau régional Nord, nous avons un Jérémy, nous avons un Sud-Est, nous avons un Antibes, nous avons un Port de Paix. Et pendant un moment, par là, il y a un appel d'offres
qu'a fait pour toute région, pour toute région ça dans pays hein. Nous très loin avec appel de Foucault là, appel de Foucault là, appel là en cours, nous gagne plusieurs films qui soumettent offre et offre ça va réaliser pour nous là pour regarder qui film qui va être sélectionné pour construire réseau. Ça nous met ça en étape de pré-qualification. Nous finissons avec Caille, nous finissons avec Congapoil, nous finissons avec Nord-Est. Et je vais vous dire, et ça qui est une raison visite pour vous dire, c'est que appel d'offre au Caille là, lancé déjà il y a de ça deux semaines. En fait, c'est parce que c'est par cap seulement, parce que nous avons 8 communes qui vont l'alimenter à partir de grandes centrales qui vont dans un nord là. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous relions là, nous relions le réseau régional du nord, mais en particulier le cap haïtien, parce que cette centrale là, c'est au cap probablement le cap haïtien. Et là, nous allons gagner 50 000 clients. Donc, appel nous là, lancé déjà. Donc, la tonne, nous allons pouvoir filmer jusqu'à 29 janvier pour répondre à l'appel d'offres et pour cap là, pour nord là. Et puis, donc, trois appels de quatre appels de salon à travailler sur incessamment pour nous garder. Mais ça qui est intéressant, nous mettons tous les réseaux régionaux ensemble, tout le demandes qui est niveau à 150 MW que nous avons fait avec énergie thermique, mais avec un fuel, avec carburant gaz naturel, et puis il y a 50 MW solaire. Bon, et ça comme toujours, mon petit gens sourit, l'un des gens qui pensent que les découvrir un pays à ce impossible. Je visite au central qui gagne une capacité de 750 MW au grand central là. Donc, lieu, la parle de là de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 réseaux régionaux. Le mettre ensemble, il y a un mot de 100 MW même. Donc, mais tout le monde clair, pour tout le monde retire ça dans ma gueule, après mettre courant dans le pays, techniquement, ce n'est pas possible. Il y a toujours une difficulté politique à l'homme de faire. Et qu'on a une volonté politique, je pense que c'est extrêmement important pour exploiter la volonté politique qui est maintenant dans le pays pour le travail pour nous vivre. Il n'y a pas de jambes, il y a un problème technique, il y a un problème politique. Mais tout le monde clair pour qu'on comprenne ça. Parce que si le pays, quand il veut faire central, le pays, c'est pour qu'il y ait un ingénieur, il y a l'école professionnelle, donc il y a tout ça dans le pays en tout, donc pas aucune raison même pour ne pas capable de faire, pour ne pas être dans le pays. Et tout net. Et pour 150 MW, c'est un cyclone, les gens aux États-Unis, les gens parlent avec un bateau sous la mer, bateau a poussé 200 MW. Ok, donc nous avons tout clair pour nous comprendre que les difficultés de gagner, difficultés techniques et plus d'ordre et politique. Nous venons parler, nous allons tomber dans ce qui intéresse nous, parce que nous avons vu le global tout le pays. Maintenant, nous allons focus sur le département là, tout le monde département déjà, pas besoin de dire rien. Mais ça n'est pas un département là pour nous comprendre. Nous ne pouvons pas faire un réseau pour tout département. Ok, mais ça clair dans tout le monde. Nous allons développer un réseau central avant dans la zone là, dans la zone de Paris-Saint, et central ça va alimenter, nous allons alimenter 8 communes là-dedans. Et nous allons ensemble tout à l'heure, 8 communes là, tout dire là, nous allons alimenter 8 communes là. Central va alimenter Paris-Saint, la va alimenter Milo, la va alimenter Comago, la va alimenter Lembe. Barrembe, Acule du Nord, Plaine du Nord et Grand Rivière du Nord. Donc, on va concentrer le Nord là pour alimenter toute commune. Maintenant, on va demander ça qu'a fait dans les communes. Pour que tout le monde connaisse Pélic Rivière dans le point de ça déjà. Donc, point de ça qu'on est Pélic Rivière, nous allons ranger les réseaux, nous assurer, nous mettre des productions. Donc, à propos de ce Port-au-Prince, comme nous avons été connectés, la fuite énergie pour l'énergie arriver dans la commune de là. Mais dans toute notre commune qui est voisine et qui est toute proche, Cap-Haïtien, nous sommes à alimenter par centrale Cap-Ralé, Cap-Haïtien. Maintenant, des communes comme Dondon, Dondon approche pour nous, Dondon n'a pas mis pour le réseau Dondon, mais le réseau est extrêmement avancé, les autres distributions sont finies. Okay? Si nous avons des problèmes d'instabilité, nous avons très très loin avec central PV, parce que nous avons 3 mois à cause de l'expert pas capable de finaliser l'étude de Dondon. Et là, nous reprenons avec eux. Et voilà, nous reprenons la boule en avec Dondon. Nous avons fait appel d'offres pour micro réseau. Nous avons pris les ans Pilate Boy pour ne pas y aller une side. Mais une side, une side en anglais. Et bien, c'est eux-mêmes qui travaillent avec eux là. Ils ont une bonne position parce que là, il y a une correction qui est faite au niveau de
de plan financier, mais yo en réalité on l'a qui dit que off technique a accepté déjà. Donc là on a discuté avec eux sur off financière. Donc et pour question une passée, le tenant présent sur des pilotes de bois pour de la faire étude environnementale là, pour qu'on ait pas problème dans ce cas, pour m'assurer me garder que on fait choix terrain, on choix cap gain cap bon impact minimal, production bon impact minimal sur environnement pour la protéger environnement. Donc tout le problème que on prend pour ville pour cap pour problème plan gagné un gros tout réseau qui va couvrir huit communes cap basé dans un cap haïtien. Et puis ensuite côté pellicule arrivé dans commune ça dans commune comme Saint-Raphaël Pignon la Victoire en qui Baron pourquoi Baron va au niveau réseau lui-même dans les trois communes à côté pellicule déjà la brassure de neige qui est l'option sur pellicule privé dans commune ça et Pilate Plaisance Paul dont nos barons eux-mêmes ils vont fonctionner de façon séparée comme des micro réseaux. Donc nous connaissons déjà, nous expliquons tout ça qui va passer dans 19 communes. Nous expliquons ça qui va passer où il y a pour 82 sections communales, nous avons expliqué plus tard le programme nous pour nous pour les réseaux régionales, nous avons travaillé plus d'explications comme c'est dans le programme et dans mon vote, les réseaux nous c'est pour ça là. Les autres nous ont expliqué la alimenter 8 communes. Qu'on y a tout qu'on connaît que Géocentral, PBM, Pétion Simon Bolivar, qui est installé, nous sommes passés devant là, qui va être 13,6 MW. Mais 13,6 MW là, tout qu'on connaît, c'est ça où est puissance installée. Ce n'est pas la puissance disponible. Enfin, la puissance disponible, il faut me suivre que tout le monde doit marcher, entretien fait. Et tout le monde en Haïti, c'est pas qui tout les difficultés à cause de nous ne pouvons pas payer courant tout, on ne va pas payer courant, donc on ne peut pas capacité de faire maintenant c'est un groupe. Donc, qui fait que 13 MW, 13 MW, ça va toujours disponible. Eh bien, le nouveau projet qui est au Cap-Cougna, c'est construit. Opérateur pour la ville au Cap, nous dit ça déjà, nous appelons en course au Cap. Ça n'a pas cherché, on a cherché un opérateur pour remplacer EDH. Parce que le roi, février 2016, là, permet ça fait. Opérateur privé, ça, il va dire vous faire ça. Il va dire pour le fonds central de 40 MW, 4 marchés avec gaz naturel, d'expliquer ça déjà. Mais comme la journée soleil là, il faut exploiter le soleil là qui là. Donc, nous demandons opérateur à tout pour construire pour nous le fonds central qui a bien pour dimension à peu près 16 MW solaire. Pour que nous allons combiner 40 MW avec 16 MW là, la boîte 56 MW qui va l'alimenter automatiquement vie commune dans le département. Et on a fait une concession avec FIM, ça a bien appelé ça, sous 20 ans. On a dit 20 ans, nous mettons en compétition, bah nous bon prix, et puis on roule là pour 20 ans, et puis opérer central là, il va donner avec EDH, parce que va bien utiliser le réseau EDH. Et bien content, on a une opportunité d'avoir la question plusieurs, on a à poser, ce qui va être extrêmement intéressant, parce que moi-même comme régulateur, je fais études là déjà. Et déjà perdu un pile quoi dans au cap dans le réseau là. Combien nous va faire EDH pour gagner l'argent puisque EDH là font partenariat avec FIMNA. FIMNA va passer sur réseau EDH. FIMNA va chaque année il va avoir un coup de EDH qui va passer sur réseau EDH. Mais FIMNA va venir avec investissement PAL pour faire production PAL et puis pour faire distribution PAL pour vendre courant en utilisant le réseau de l'EDH. Effectivement, FIMNA va avoir responsabilité tout pour l'exploiter le réseau pour l'assurer de l'éclairage public. Parce qu'on a des plusieurs côtés à passer dans la ville le soir, nous voulons que vous avez éclairé l'obligation qu'il y a un contrat là pour lui dire la question éclairée. Évidemment, tout le monde est vous dire éclairage public, il va gratis. Parce que par un côté sur la terre, côté courant, c'est équipement acté, c'est quoi vous dépensez pour faire, c'est quoi vous dépensez pour payer. Donc il y a un coût, il faut être prêt pour payer courant. Donc ça, c'est ça qui va passer dans le gros tonton, réseau régional qui va gagner au Cap Haïtien. Vous dites déjà, le réseau va accorder. Le réseau va alimenter plusieurs communes, Capaïsé, Milo, Pomago, Lembe, Balembe, Acul du Nord, Plaine du Nord, Grenivier du Nord. Reste commune dans ce qui passe. Mais en réalité, là, nous connaissons déjà. Il y a une commune qui est déjà en 24/24, c'est Limonade, qui connecte sur le réseau Caracol là. Et nous décidons d'ajouter 4 Mouret sur l'île. Donc 4 Mouret, à partir de l'année prochaine, nous allons connecter sur Caracol là. Parce que Caracol là, même tout va aussi par le monde, nous avons des slides sensibles, nous tout va nous primer là, nous faisons un rapport de don avec BID, avec USAID, côté nous avons 22 millions de dollars qui sont disponibles, nous allons construire 12 MW solaires dans le parc Caracol là, pour nous baisser la collectivité dans le parc là,
et en même temps aussi pour nous injecter subluant. Subluant va venir alimenter plusieurs communes. Nous allons rattacher Fort Liberté, nous allons rattacher PH, nous allons rattacher Ferrié, Waname, toutes communes ça pour avec quartier Moret, donc pour un gros réseau qui est dans le nord là. Donc tout le monde a alimenté 5 communes pour dégager limonade, cette Suzanne derrière Rouge, tout du Nord, Caracol, et bien nous allons éteindre la commune, nous allons éteindre notre commune, alors nous faisons gros dans le réseau. Et après nous sommes décrit à l'heure déjà, après nous sommes sortis déjà, nous avons plusieurs films qui sont intéressés, nous allons analyser au film pour nous regarder qui ça va le faire. Donc deux réseaux ça va nous casser, nous allons nous dire si nous allons nous mettre sur le réseau nord là. Effectivement, nous-mêmes, nous allons nous connecter comme nous sommes proches. Et limonade, nous tout branchons nous sur le réseau et Caracol là. Et après le réseau Caracol là, l'information c'est que la construction centrale sur les là a commencé automatiquement l'année prochaine. Parce que là nous avons fait d'études, nous avons fait études là. Et nous, études avons avancé, nous avons fait appel d'offres, nous avons qui filme, qui va bien pour construire centrale et solaire Caracol là. Maintenant, lorsqu'on alimente les communes à travers les réseaux régionaux, et bien pour nous là, nous avons dit ça, il y a plusieurs civils qui ne sont pas capables. Sur gros réseau, oui, ça, si vous êtes capable de sur l'économie, si vous êtes tellement par rapport au monde qui vit dans zone urbaine, non? Et zone urbaine très très loin de réseau, et bien le gouvernement décide que l'interconnexion va faire dans 10 ans et 8 ans. Pour le moment, on va l'alimenter zone urbaine, nous allons alimenter zone urbaine à travers ce qu'on appelle des micro-réseaux. Ce qui est micro-réseau, c'est que nous parlons, par exemple, Dondon, Café Kounia, Dondon, nous allons mettre une centrale de plus de 400 kW. On va mettre 400 kW solaire, on va mettre batterie, par contre, on va mettre le réseau fait déjà, nous allons faire le réseau déjà. N'était-ce que problème politique et stabilité qui fait finir par rentrer, on va mettre très loin avec le réseau Dondon. Hein? Bon, après la fête, bon, pays a été l'op, tout le monde ça. Il y a là, finalement, sur une base, là, moi, j'ai fait études environnementales. Ni pour Boy, ni pour Boy, ni pour Président, ni pour Pilate. Donc, après la phase finale, je vais négocier les thèmes et financiers, mon gars, moi, je vais vous baisser pour kilowattheure, pour nous capables d'avancer avec nous. Donc, nous, les réseaux de distribution en fait déjà. Donc, c'est ce que la solution est sur le Baron, et effectivement, après le Baron, on va le faire en janvier, en février 2020. Et nous avons une deuxième version de l'appel d'offres qui va le faire sur le micro-réseau. Donc, nous devons au cap, nous devons comprendre que chaque commune, en fait, entre dans le plan d'électrification gouvernement. Et ça fait un plaisir d'expliquer, en fait, tout ça va passer dans chaque commune. Maintenant, mes filles, vos challenges dans le pays, c'est que tout le monde à Haïti, c'est un pays qui a pile montagne. Tout le monde va vivre dans un urbain. Dans le monde, je vais vivre dans la section communale. La section communale, le gouvernement fait un choix, il peut pas arriver avec les réseaux. Et l'idée des réseaux n'a pas fait sens tout, parce que moi-même visité, mon cas est là, pour marcher, mon cas, pour mon cas, quand il est tellement dispersé, on dit que nous ne sommes pas capables, il ne va pas faire sens techniquement et économiquement aussi pour alimenter les cailloux. Et même si chaque cailloux, nous avons un système solaire individuel, un programme d'électrification rurale que nous utilisons sous le nom de Caille. Ça n'a pas fini dans le programme ça. Niveau de service, qui c'est éclairage, radio et recharge de téléphone. Ok? Et ça nous fait ça, le gouvernement en réalité, c'est par une incitation, par une subvention pour paysans qui ont accès à l'équipement ça. Et nous faisons en réalité déjà un pilote qui dégaine 10 000 familles. Et pour le programme ça a fait, et tout le monde comme ça, nous avons déjà connu. Nous avons 82 sections communales, annoncées, notre travail à faire de collecte de données. Nous avons collecté des données déjà dans 15 sections communales. Nous collectons des données pour plus de 5 000 ménages. Nous invitons les gens à faire confiance à annoncer pour remplir le formulaire. Parce que quand le monde nous voit le formulaire pas rempli, ils comprennent. Nous avons un courant depuis 1804. Ils constatent que depuis l'indépendance, nous n'avons pas un courant. Lors de l'offre à remettre le courant, nous ne pouvons pas. Et ça fait grand pile le monde qui m'a rempli le formulaire. Mais je m'invite tout le monde en noir parce que nous, les chiffres, c'est 15 sections communales qui m'ont sur 82. Je m'invite tout le monde en noir, sensibiliser que nous avons rempli le formulaire là, parce que nous avons fait un survey, une enquête pour nous garder, pour nous vraiment, pour nous répertorier chaque famille qui habite dans le monde qui a mérité pour installer le système solaire individuel là. Et là, je suis bien content que nous avons 15 sections communales qui répondent, qui vont effectivement nous et nous avons rentré dans la base de données.
et côté information ça est disponible. Ça va permettre de faire ça, ça va permettre de nous identifier pour nous connaître qui côté était, pour nous connaître qui solution qui envisage pour eux. Mais nous ça c'est sûr que va l'alimenter à travers un système solaire individuel. Ça veut dire qui ça concrètement, il y a un panneau solaire après 20 à 25 watts sous le caillou, la pour y avec un générateur qui gon batterie la journée. Les charges de téléphone, c'est sous soleil à faire. Le soir, les rentrées, la batterie s'est chargée dans le soleil, c'est sous batterie à capable de éclairer le soir. Le monde qui porte au presse, vous ne pouvez pas parler à la. Par exemple, il n'y a pas de fait sur Internet. Mais nous-mêmes, objectif nous clair, nous voulons nous sortir en pour sortir dans notre tête grida et nous décider de subventionner un programme qui permet pour nous éclairage avec phone charging, avec vos charges de téléphone. Maintenant, qui ça qui fait dans le pays déjà? Avant de nous parler de ça, on va avoir aussi une information qui va être importante pour nous connaître. Maintenant, c'est un gros terminal gazier dans votre pays. Pourquoi ça est important pour nous parler de la gaz du cap là? C'est parce que Sandra nous a dit au cap là, qui a 40 MHz de gaz naturel là. Gaz naturel là, il y a deux façons de nous réfléchir pour lui. Et nous avons fait ça qui a plus marché pour nous. Il y a possibilité pour gaz directement arriver au cap, à travers le cap là. Mais nous, peut-être, c'est pas dit qu'il y a plus de marché. Option noire, nous regardons, nous pensons qu'il y a plus de marché jusqu'à présent, c'est faire un gros terminal de Port-au-Prince, pour nous stocker le gaz naturel, nous faire vivre un volume, tout le monde va demander un volume, automatiquement prier de la baisser. Et puis à partir de port, terminal de gaz de Port-au-Prince, par la mer, je traverser le gaz là, et puis je fais le gaz arriver dans le port au cap là. Et puis gaz là, tout le monde va dire gaz naturel, au café liquide. Il vient à peu près à 160 degrés, et puis il me kembel dans le milieu cryogénique, et puis il me fait arriver. L'infini fait pour nous, on fait reconversion. On fait pour nous liquide, tourner gaz. Ouais, logiquement. Comment est-ce qu'on va faire gaz, tourner liquide, pour qu'on transporte, pour qu'on baisse le volume. L'infini fait pour nous là, lui-même, comme moi, je suis en train de marcher avec liquide, moi, je vais liquide, tourner gaz. Donc, l'idée, c'est que dans la zone de Port-au-Prince, nous allons construire une grosse centrale. Qui vous stocker gaz, qui vous stocker gaz naturel là, pour nous capables d'assurer que le gaz naturel est arrivé vers le gouvernement. En même temps aussi, sur Port-au-Prince, on a un plan de construire une centrale de 300 MW. Et là, nous avons fait une mission Houston et Washington DC pour nous démarrer avec le projet A, pour nous commencer avec une phase d'études extrêmement approfondie, parce que nous avons une préliminaire qui devait être à Taïwan, pour nous faire une étude approfondie, pour nous garder, pour nous voir en détail comment ça va la vie. Mais qui sa premier élément d'étude a révélé? Premier élément d'étude a révélé que nous sommes capables d'envisager deux blocs de production. Il y a deux blocs, on a vraiment deux groupes de production. Chaque bloc a bien 150 MW. Et pour configuration, je ne vais pas tellement trop technique, je vais expliquer tout ça. Ça passe en réalité, c'est que chaque tonne brûle gaz, vous n'avez pas peur. Et bien, pour nous avoir une technologie, elle est si combinée. Qui nous mettent ou pas des vapeurs, même vapeurs produits électricité avec nous. Vous allez aussi combiner, côté utiliser gaz à bord de 100 MW et puis vapeur à bord 50 MW. Donc il fait que chaque module a fini 150 MW. Donc on est déjà comme dans la deuxième, on va même jeter pour nous prendre utiliser. Donc automatiquement, on va améliorer le système et ça nous met les technologies si combinées. Et là, effectivement, on va nous choisir à partir de l'eau de mer. Maintenant, pour terminer là, le pays a réfléchi, étude préliminaire montre que nous avons deux choix encore possibles. Nous avons un terminal, ça veut dire sur terre, ça veut dire que le gaz naturel est arrivé dans le port là, à partir de la ville. La ville a fait jonction avec le terminal gazier, avec le stockage là, ou stocker gaz naturel liquéfié, sous forme de liquide dans des gros tankers, gros tanks, le gaz naturel là, et puis les besoins utilisés. Je mets moi fait liquide dans une gaz et puis je fais canalisation, je mets le gaz dans la centrale là. Donc le pays a réfléchi avec deux systèmes, un système sur terre, ou bien ça relève une unité flottante de stockage de regazification. Le système sur terre, tout le monde dit, c'est que nous faisons deux mouvements pilotes, nous stockons le gaz. Nous stockons le prix ça, nous stockons le gaz dans le réseau régional, nous stockons le cap. Parce qu'il faut qu'il y ait une gaz naturel, nous stockons le gaz tout partout dans le pays. Il y a deux façons de gavoir. Nous gavoir par camion, parce qu'il y a un gaz qui transporte des LNG. Nous gavoir par ça, il y a des conteneurs ISO. Il y a des conteneurs spécialisés qui mettent tout le gaz là à pression, à une température de moins 160 degrés. Là, nous vraiment beaucoup décidé. Et nous expliquons là-bas deux fois ça, on a fait des études extrêmement détaillées pour nous connaître qui côté nous garder. Parce qu'en fait, tout y a avantage et inconvénient.
Ça a viré vite, 18 mois, 12 mois, ou quand on a ça passe. Son navire, il est transformé, il met des stockages, et puis il met une unité de regasification sur l'île. Mais, lorsqu'il y a un cyclone, il faut déplacer la toile pour assurer au premier nom, pour ce qu'on a gaz, pour l'ouragan, pas détruire l'homme. Et tu peux lui mettre en montée que la coûte la coûte dans plus près 150 à 200 millions de dollars par exemple. Terminal sur terre là, les bichets ont une capacité pour faire extension. Tout un pays a développé, donc là ils ont plus de temps pour faire développement. Donc vous voyez, donc là nous avons extrêmement intéressant qu'on devient deux technologies, deux choix technologiques qui devront et pour garder qui sont le meilleur choix en fait. Et pour payer, même penser que là, USCD, qui c'est US Trade and Development Agency, a banné deux, trois consultants qui travaillent avec nous pour finaliser et tu détailler, pour nous garder qui choix pays a fait. Mais tout le monde a une logique là, c'est que soit choix A ou bien choix B, et bien c'est choix ça qui permet de nous mener gaz naturel dans la centrale et puis utiliser le gaz naturel tout pour le transport. Comme tout le monde, pendant que nous avons écrit là, nous n'avons pas de gaz naturel seulement pour l'électricité. Nous avons gardé 2030, 2025, côté en fait gaz naturel là pour être capable d'utiliser aussi pour transporter tout le monde ça fait dans le centre de domaine mondial. Il y a plusieurs bus, mais après, ce n'est pas diesel, et pas diesel de rouler, c'est gaz naturel. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait déjà? Tout ça possible. Nous réparation finie sous ligne, tout le monde est une ligne qui est extrêmement importante. C'est une ligne qui relie Péli et zone métropolitaine, non? Soit ligne de 115 kV liée. Réparation que tu as fait là, c'est ça, c'est photo réel de ligne à préparer. Et rénovation en fait, nous, c'est la première fois en Haïti, nous avons une ligne sous haute tension passe en bas. Bien sûr que c'est la première ligne dans l'île. Et nous pouvons essayer de ne pas ligne haute tension. Toutes les lignes, c'est ligne aérienne. Donc c'est la première fois une ligne 115 kV qui passe en bas en dans Port-au-Prince. Si on compte Port-au-Prince bien, sur les autres, il a voie qui arrive à Port-au-Prince. Donc c'est les a fini, nous avons un mois. Il y a commissionné. Maintenant, tout action qui fait samedi, le gouvernement a inauguré un réseau, un micro-réseau qui finit, qui est Tiburon. Côté nous, côté gouvernement, qui travaille sur le réseau de distribution à travers la stratégie Caravane. Il travaille, c'est le ministère TPTC qui construit le réseau de distribution. Et on entrepreneur privé. Tabral travail pour le faire central là et là tout le travail fini, l'a inauguré et samedi 21 décembre. Donc nous voyons une technologie extrêmement intéressante où il y a un solaire dans l'expérience là qui combiné avec stockage, comme ça c'est batterie stockage, automatiquement que vous produisez la journée, on va s'utiliser, on va tirer la batterie là et puis le soir, on pas besoin d'être sous coupe génératrice, on va passer exactement à stockage et tout le monde connaît, ça va automatiquement baisser pour la production. Et vous dites génératrice, c'est pas dit comme là. C'est fait gérer cette machine comme là, mais tout le monde comprend ça. Donc, on gère cette caillou, c'est pas le problème. Vous pouvez acheter tout de suite. Vous n'avez pas de machine pendant un an, c'est le coup de problème. Si bien que plusieurs villes m'ont passé, génératrice là, vous utilisez trois fois pendant un an. Pourquoi ça? Parce que vous avez un coffre pour mettre des fils. Grâce à Dieu, nous-mêmes, soleil là, nous ne pouvons pas payer soleil là, et bien, nous utilisons soleil là. Deuxième réseau, micro-réseau que nous faisons, que nous faisons déjà. Tout le monde a réseau de nous, tout le monde garde de nous à l'ouel. Réseau de nous fini, réseau de distribution fini. Nous avons travaillé sur une centrale de nous. Centrale là nous fait étude déjà. Après le placard lancé, sur ce centrale a 465 kW de production et nous mettons une batterie de stockage qui pour stocker l'énergie et pendant le soleil là qui 559 kWh. Et dans le marché des salines, c'est la première fois EDH a fait un micro réseau. EDH installé une centrale solaire de 220 kW pour être capable et lui coupler, il va restockage lui-même. Mais il va restockage, il s'offre en réalité pour coupler avec un groupe diesel. Pour que le diesel là, capable de chauffer le soleil là. Donc, combien de tous les deux, vous utilisez moins de fuel pendant le soleil là. Le soleil là, vous tombez sur le fuel automatiquement. Il y a un travail pour regarder pour voir si on a introduit un système de stockage. Il y a parlé de photos et réelles. Et nous t'expliquons ça déjà, nous t'avons lancé le programme Type Ampleria. Nous avons fait un pilote qui a touché 10 000 familles. Et là, nous travaillons au niveau de l'annoncé pour nous capables répertorier, pour nous capables garder qui quantité de monde, qui quantité de famille dans le pays qui mérite le programme ça, pour nous capables garder dès janvier, si nous sommes capables de relancer le programme. Et ce programme est intéressant parce que nous avons fait sur base resource-based financing. Ça veut dire que ça,
on a profité compagnie, on a préqualifié compagnie qui compétence. Ensuite compagnie va le paysan, la installer le système non. Les compagnies fin installer le système non. Chaque 3 mois m'a bien pour me payer compagnie sur le système installé déjà. 50% gouvernement mettait paysan va gagner pour payer 50% tout lui-même. Puisque paysan déjà payé pour courant déjà, il est déjà payé pour les temps de l'étape. Il a payé pour kérosène, nous faisons calcul là, nous avons propre la payer, nous allons prendre la main pour nous donner une qualité qui est plus propre, qui est plus intéressant. Bon, tout le monde a compris que, avant de question, tout le monde est clair, pas de mentir dans ça, ça c'est pas celle qui a fait, c'est parce qu'on vient avec données, tout le monde est en train courant, son train courant en marche et nous souhaitons que nous comprenions que, en fait, mettre courant dans nos pays, ce qui est important et tout le monde a vu ça. Et sous baguette courant, pour pas faire. Et moi, c'est important aujourd'hui hein, pour me définir en réalité dans le nord, pour me expliquer mon nord, mais qui s'accroît le fait dans le département. Toutes les informations, nous-mêmes au niveau de la lancée, nous sommes organisés extrêmement transparents. Tout appel d'offres n'a fait, c'est la première fois que ça a fait dans le pays. Quand on regarde son site, vous téléchargez tout le document d'appel d'offres, vous connaissez qui applique. Vous connaissez qui est en voie de gagner, qui est qui préqualifié et qui ça oui. Nous invitons tout le monde à aller sur le site, sur site institution qui s'est avancé.gouv.ht. Voilà, équipe TVKI Bla dit merci avec tout le monde qui était branché pour te attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec la chaîne. C'est TV Caraïbe. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous son babes a chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.